Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous informer que j'ai participé à l'organisation d'une exposition qui aura lieu ce dimanche 24 mars à la Pierre Noire, qui est une association culturelle à Champagnac, même sur le Bois de Lampe, qui est l'ancienne partie minière de la commune de Champagnac, et dans l'ancienne école. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. Et donc ça sera une exposition sur la vie culturelle à la mine, puisque autour de la mine, il y avait toute une vie culturelle qui s'organisait. Les lieux de boissons, notamment, qui étaient des lieux importants, très fréquentés, où on se voyait, on discutait, on buvait, évidemment. C'est vrai qu'à la sortie de la mine, ils avaient bien soif, parce qu'entre la chaleur, la poussière qui desséchait la bouche, voilà. Mais c'était aussi lieux où on jouait aux cartes, on jouait aux quilles. C'était aussi des lieux de discussion politique et syndicale, des lieux de réunion lors des plusieurs grèves. Ça, je l'aborde dans mon prochain livre, Champagne Hectare de Lutte. Il y avait souvent donc, des réunions syndicales qui se tenaient dans ces lieux-là. Mais au-delà, du coup, il y avait la Sainte-Barbe, qui était quand même une grande fête des mineurs. On avait aussi des fêtes, la fête du 1er mai, aussi, qui était au plus une fête syndicale, était un jour de fête au Bois de Lampe, avec des défilés, la fanfare aussi. Il y avait une fanfare de la mine, une équipe de foot de la mine aussi. Comme beaucoup de bassins miniers, les mineurs jouent beaucoup au foot, notamment les mineurs polonais. Il y avait également, mais justement, cette présence polonaise ou d'autres nationalités étrangères, italiens, espagnols, il y avait des échanges culturels, notamment sur le plan gastronomique. Donc là, il y aura un pot de cuisine avec des gâteaux polonais à cette fête. Donc à 15h, il y a l'exposition qui ouvre, 17h, le pot, et après, il y a un concert. Donc n'hésitez pas à venir, j'aurai un stand à cette occasion, du coup, où j'aurai mon livre sur la fermeture de la mine de Champagnac qui sera en vente, et vous pourrez également précommander mon prochain livre, du coup, Champagnac Terre de Lutte sur les mouvements sociaux à la mine de Champagnac. Et découvrir les différents aspects de la vie culturelle, les lieux où les gens vivaient aussi, parce qu'il y avait par exemple le lac qui pouvait servir à laver les vêtements. Donc on va aussi essayer de remontrer une vie quotidienne, là où il pouvait y avoir des spectacles qui se faisaient aussi. On a repris des vieilles cartes postales avec des vieilles photos d'époque, on a repris des photos des mêmes lieux aujourd'hui pour faire des avant-après. Il y aura un petit parcours dans le Bois de Lampe où on va passer sur plusieurs endroits avec les anciens logements mineurs, quelques mots à ce sujet, un ancien puits, etc. Bref, n'hésitez pas à venir si vous en avez l'occasion. Donc c'est dans le Cantal, frontière avec la Corrèze, aussi pas très loin du Puy de Dôme. Donc si vous êtes du coin, vous pouvez venir. Ou si vous connaissez des personnes dans le coin, n'hésitez pas à leur en parler. Et vous pourrez ainsi du coup découvrir tout ça, me rencontrer, éventuellement si vous êtes intéressé, acheter mon livre. Au revoir tout le monde.